On dit toi plus gros que n'importe qui, mon nom c'est à l'air. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Salut, c'est Jean-Loup Collard. Aujourd'hui, pour cette audition, merde, j'en ai foutu plein de micros. Pardon. Ce que je disais, c'est aujourd'hui, pour cette audition, ce que je cherche, c'est un homme. Hier, c'était une femme. Et demain, un chien. Ce que je vous demande simplement de créer devant moi, c'est la scène de Francis le Conquérant. C'est lui. Mais, j'ai perdu mon dossier. Je disais, c'est la scène de Francis le Conquérant saisissant Marine. La seule contrainte, c'est que vous devriez placer dans votre texte les mots concombre, asperge et hutte magique. C'est à vous. Je me présente, Cyril Brut. Je n'ai aucune expérience en théâtre. Mais j'ai fait... 2 ans de stage de poésie. Je me lance. Pas trop fort. Salut à toi, ma marine. Viens faire un plouf dans ma piscine. Nous nagerons tout nus dans l'eau. Et après, je caresserai ta peau. Je t'emmènerai dans la pénombre. Et nous mangerons des asperges et des concombres. Je te ferai visiter ma hutte magique. Et tu peux être sûr, 30 secondes après, on pique-nique. Non, désolé, ça n'intéresse pas Jean-Luc Godard. Suivant. J'étais trop speed. Ça salut, moi c'est Jean-Jean. J'ai de la cité de Lausanne. Donc moi les expériences carcérales. T'es un trac. C'est que j'étais à prison de Jean Dorlon. Chaque fois que je me fais gauler par les flics, je dis c'est pas moi, c'est moi, tiens. Théâtre. Ok, je dis au truc du malade, j'y vais. Hey yo poupée, hey, ramène vite tes miches ici, hein. Y'a Moulot qui fait une gigateuf chez lui. Non, sans deck, tu sais que tu me plais. Chaque fois que je te vois, j'ai le concombre qui devient mûr. Et en plus, si t'es sage, je te laisserai me titiller l'asperge. Et on piquera une mob. On finira à tirer une crampe dans ma hutte magique. Et là-bas, je te jure, il n'y a pas que la hutte qui est magique. Ça te plaît, Godard? Oh, tu dors? Godard? Tu dors, Godard? Oh, donc, Godard? Désolé, ça
m'intéresse pas, Jean-Luc Godard. Suivant. Pas grave, mec. Moi, j'ai déjà tué, quoi. Je me présente. Robert Nicolas von Charentaise. Après 4 années passées au Conservatoire de Paris et 3 ans d'études de diction avec le mime Marceau, j'ai joué quelques pièces shakespeariennes et moliéresques. D'ailleurs, c'est écrit sur mon curriculum vitae. Voici donc. Ô ma chère Marine, venez de ce pas me rejoindre. Mon corps se languit de vos formes généreuses. Vous êtes aussi belle qu'une poignée d'asperges et de concombres au milieu de fleurs printanières, un beau matin d'été sur l'étalage d'un marché d'automne. Partons sur mon fidèle destrier, afin de passer des nuits d'amour et de tendresse au creux de vos bras dans ma hutte magique. Ô ma dulcinée, attrapez ce baiser et envolons-nous vers ce pays rêvé. Non, désolé, ça n'intéresse pas Jean-Luc Godard. Suivant. Vous aurez des nouvelles de papa. Oui, c'est Pizza Express. Oui, c'est pour Monsieur Collard. Bonjour, Pizza Express. J'ai une pizza asperge et concombre au 32 rue de la Hutte Magique pour Monsieur Connard, c'est bien ici? Ça, ça intéresse Jean-Luc Godard. Par hasard, vous auriez pas un chien?